reste le manque à gagner pour l'État, le gouvernement a annoncé deux mesures. Une baisse supplémentaire des dépenses publiques pour 10 milliards d'euros. Le reste passe par la fiscalité, avec notamment le relèvement de la TVA. Au 1er janvier 2014, le taux principal passera de 19,6% à 20%. Le taux intermédiaire, qui se trouve dans la restauration, le logement, les loisirs et les transports, passe vite de 7 à 10%. L'annonce a provoqué la colère des syndicats de la restauration et du bâtiment. Je crois qu'il va y passer ton coussin. Je pense. Pour limiter l'impact sur les ménages, le gouvernement a t'es pas voir, ma grosse. Et les abonnements au gaz et à l'électricité. Au total, le réajustement de la TVA devrait rapporter 7 milliards d'euros. Dernière mesure, la mise en place d'une fiscalité écologique. Recette espérée 3 milliards d'euros. Sur ce point, pas de précision, mais vas-y, tu peux reposer. Je vais peut-être maintenant. Si je te chope. En renvoyant à 2014 la partie essentielle, c'est-à-dire la baisse des charges sociales, à travers un système très complexe, il renonce au choc de compétitivité. Et comme il n'y aura pas de choc de compétitivité, il n'y aura pas de redressement. On m'a arraché le dos, c'est quand même. Il n'y a qu'un malheur, c'est que ce sont toujours les mêmes qui payent. Ce sont les classes populaires, ce sont les classes moyennes, et ce sont les mains avec l'augmentation de la TVA. T'étais fort ou pas fort ?